Bonjour, bonjour à tous. Alors, court passage, court exhortation. Donc, soyez fortifiés ceux qui sont dans les douleurs, les pleurs, ceux qui ne comprennent pas les moments qu'ils vivent. J'aimerais te dire que le Seigneur est fidèle. Oh oui, nous prions celui qui est fidèle. Il n'y a rien de mauvais en lui. Tout ce qui peut arriver dans le monde, ce n'est pas de sa faute. Tout ce qui peut nous arriver, ce n'est pas de... Enfin, tout mal qui arrive dans le monde, ce n'est pas de sa faute. Il est fidèle et véritable. Il est parfait. Et j'aimerais te dire qu'il t'aime beaucoup. Il veut t'encourager à continuer à persévérer et à l'adorer et à l'aimer dans toutes les circonstances. Le Seigneur veut qu'on l'adore dans toutes les circonstances, dans les pleurs, dans les bons moments, les mauvais moments. Il faut l'adorer en tout temps parce qu'il n'y a rien de mauvais en lui. Il est parfait, il est véritable. Et beaucoup de gens disent que oh, le Seigneur est fidèle. Même si nous demeurons infidèles, lui, il est fidèle. Mais beaucoup pensent qu'il faut demeurer dans le péché en fait. Beaucoup pensent qu'il faut demeurer dans le mal. Ils vont dire, ah mais non, le Seigneur demeure fidèle. Même si nous, on est infidèle, il est fidèle. Attention, il est fidèle dans la vie de ceux qui cherchent à lui être fidèle. Parce que beaucoup changent la parole et modifient les choses et pensent que le Seigneur, il est fidèle en tout temps, il est bon, il nous comprend dans nos mauvaises choses, dans nos actes que nous posons, malgré de plein de notre propre chef, le mal que nous faisons, les mensonges que tu peux faire, le mal que, je parle de l'homme en général, le mal que nous faisons, le mal que les hommes font. Ils pensent que le Seigneur, ben, il est amour, il tolère tout. Comme nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Donc tu peux faire le mal, tu peux vivre volontairement dans le mal, malgré toi, volontairement. Et le Seigneur, oh, il est fidèle. Mon ami, ce n'est pas ça que la parole dit. Le Seigneur est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles, qui sont sauvés par grâce et qui cherchent à lui être fidèles. Alléluia. Et on prenait un passage rapidement. Dans Psaume 23, pour nous encourager. On ne va pas être long. Voilà, ce n'est pas une prédication qui va durer une heure. Voilà, quelques minutes. Hein. Il est fidèle, même si nous demeurons infidèles. C'est-à-dire que parfois, il arrive que nous soyons infidèles à lui, dans nos comportements, dans notre marche. Ça peut arriver, parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes imparfaits. Et lui seul est parfait. Donc, ça peut arriver que nous, les humains, voilà, que nous soyons infidèles dans nos actions parce que nous sommes des humains. Il n'y a que lui qui est fidèle parce que ce n'est pas un homme. Le Seigneur n'est pas un homme, mes amis, c'est le Créateur, mes amis. Il est glorieux, il est fidèle. Donc si tu cherches à lui être fidèle, tu te bats pour lui rester fidèle, tu te bats pour obéir à sa parole, tu te bats pour l'adorer, pour l'aimer, il te sera fidèle. Alléluia, tu vois. Il est fidèle envers ceux qui se battent pour lui rester fidèle. Fidèle à quoi? Envers sa parole, envers son évangile. Voilà ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois fidèle à son évangile. Il va revenir rechercher ceux et celles qui sont fidèles à son évangile. On peut vivre des moments difficiles, on peut vivre des combats, des moments d'incompréhension. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans l'évangile, mon ami. Or, les véritables enfants du Seigneur, les véritables chrétiens sont combattus. Ben, quand tu es combattu, c'est que tu es sur le bon chemin. Si tout va bien, voilà, tu fais le mal, tout va bien, voilà, tu fais des mauvaises choses et tu penses que tout va bien, mon ami, attention. Les vrais enfants du Seigneur vivent dans les souffrances, ils vivent des persécutions, ils vivent des incompréhensions, ils vivent des... Mes amis, c'est terrible. Oh là 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 là. Un vrai chrétien vit des moments difficiles. Un vrai chrétien vit des moments de trouble. Des moments où il ne comprend plus rien. Des moments où il pense que le Seigneur n'est plus là. Des moments où la barque bouge. La barque peut bouger, mon ami. Je te dis la vérité, le Seigneur, il est là. Il est là. Il ne sommeille ni ne dort. J'aimerais dire à mes frères et sœurs, en Yeshua, au Seigneur Yeshua de Nazareth, j'aimerais nous dire qu'il est vivant. J'aimerais nous dire qu'il nous aime. J'aimerais te dire que tu dois garder la foi. J'aimerais te dire de relever ta tête. Relève ta tête, tu vois. Ça peut arriver de baisser la tête. Relève ta tête. Relevons notre tête. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. On va prendre Psaume 23. Ah oui, mes amis, l'évangile nous encourage. L'évangile, ce n'est pas la condamnation. Beaucoup prennent l'évangile pour condamner les gens. Il y en a qui prennent, je vous fais une parenthèse, qui prennent l'évangile pour dire aux gens, oui, faut pas mettre des pantalons, faut pas mettre de maquillage, faut pas ceci, faut pas cela. Et c'est les mêmes adultères. C'est les mêmes pédophiles. C'est les mêmes racistes, c'est eux-mêmes qui sont dans la convoitise, c'est eux-mêmes qui sont dans les viols, dans les mensonges, dans les calomnies, dans les choses qui sont graves, mes amis, compliquées, le péché.
voyez. Ils mettent l'accent sur des choses, oh le vêtement, oh, des vrais pharisiens, des chrétiens pharisiens qui condamnent d'autres chrétiens. L'évangile n'est pas pour nous condamner, l'évangile est pour nous sauver, nous libérer du péché, attention. Mais l'évangile n'est pas là pour nous dire, ah, oh t'as mangé un cochon, oh t'as mangé un pigeon, oh tu iras en enfer, t'as mangé tel. Mon ami, c'est pas ça l'évangile. Non, non, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, le péché. Ah oui mes amis. Beaucoup de chrétiens ont mis des traditions en place, des traditions, des choses en place. Et en fait, leur vie n'a pas changé. Leur vie, c'est le chaos. On va lire au Psaume 23, mes amis. Oh oui, il faut faire attention à ces chrétiens-là, ces chrétiennes-là. C'est ceux qui s'appellent prophétesses, je ne sais pas quoi, prophètes, qui condamnent d'autres chrétiens qui vivent leur vie simplement dans leur marche chrétienne, simplement, et qui vont prêcher des choses. Oui, t'as mis un pantalon, oh, t'as mis un t-shirt, oh, enfin, t-shirt, voilà, il faut mettre des choses correctes, bien sûr, de nouveau, au niveau des habits. Et ils vont condamner des chrétiens qui mettent des pantalons, des patatis, oh, il a mis la chaussure rouge, oh, il a, mon ami, ça, c'est des traditions. Et ça ne délivre pas du péché, ce genre de message. Mes amis, ça te condamne, mes amis. Le message qui nous délivre, c'est le message de l'Évangile. Quand tu reçois le Seigneur t'équipe, le Seigneur te parle, le Seigneur te conduit, le Seigneur te travaille, le Seigneur te change. Il te dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Son esprit va te conduire dans toute la vérité. Il t'enseignera toutes choses, mes amis. Nous avons reçu le Consolateur, l'Esprit Saint, le Paraclétos, le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous enseigne ses voies. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu te condamnes par rapport aux paroles des uns et des autres. Va voir qu'est-ce que la parole dit, qu'est-ce que la Bible dit. Il est temps qu'on revienne à la parole, qu'on regarde qu'est-ce que la Bible dit. Si la Bible ne dit pas des choses qu'on t'a dit, il faut les rejeter. Et arrêter de culpabiliser, arrêter de te condamner. Oh, j'ai entendu telle parole. Va voir la parole. Qu'est-ce que dit la parole, mes amis? Et c'est écrit dans la parole, hein. Médite-la nuit et jour afin que tu réussisses. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans leur vie chrétienne, leur marche chrétienne, leur marche, parce que ben, ils ne méditent pas la parole, ils ne savent pas qu'est-ce que la parole dit par rapport à telle situation, par rapport à tels actes, et ils vont se condamner. Vous comprenez? Ils vont se condamner eux-mêmes. Ils vont vivre dans la dépression alors que la parole ne dit pas certaines choses qu'ils ont pu entendre. Qu'est-ce que dit la parole? Mes amis, la parole est notre lumière. L'évangile est notre lumière. Tu dois lire la parole et faire ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, il faut rejeter. Beaucoup ont peur de rejeter ce qui n'est pas du Seigneur, mes amis. Il s'agit de ton éternité, il s'agit de ton âme. Tu dois rejeter ce qui n'est pas du Seigneur. Tu dois rejeter ce que la parole ne dit pas. Tu comprends? Psaume 23. Je ne manquerai de rien. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans Jean 10:10, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Qu'il est le bon berger. Et dans Psaume 23, on dit que Yahweh est mon berger. Donc Yahweh, c'est Jésus. Yahweh, c'est Jésus. Yahweh, Jésus, c'est la même personne, mon ami. Et Jésus veut dire Yahweh sauve. Parce que beaucoup font. En fait, ils croient qu'il y a deux dieux. Il y a un petit Jésus et le grand. Mon ami, c'est la même personne. Jésus, c'est Yahweh. Yahweh, mon berger, dans Jean 10, il dit je suis le bon berger. C'est terrible. Voilà comment beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils pensent qu'il y a deux Jésus, ils ne savent pas qui est Jésus, ils sont mélangés. On va leur dire que Jésus n'est pas le sauveur. Donc ils vont commencer à douter. Mais mon ami, qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la parole? Même si les gens se lèvent, disent non, Jésus, ce n'est pas le sauveur. Jésus n'est qu'un prophète. Jésus, ceci. Mon ami, Jésus, c'est qui Jésus, mon ami? Accepte-le et tu vas voir qui il est. Jésus ne se raconte pas, Jésus se vit. Ah mon ami, Jésus-Christ se vit. Il ne se raconte pas. A plus B, B plus B. Viens. Ouvre ton cœur, tu verras qu'est-ce qu'il fera dans ta vie. Il va te bouleverser ta vie, mon ami. Alléluia. Il va te réformer. Il est puissant, mes amis. Alléluia. Alléluia. Mes amis, quand on parle de Jésus, on retrouve la joie. Même si tu étais dans des souffrances, tout ça, les combats, tu retrouves la joie. Parce que Jésus, c'est la joie. Même si le monde s'écroule, Jésus, c'est la joie. Alléluia. Il dit quoi? Dans Psaume 23, Yahweh mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. En fait, tu ne manqueras de rien avec le Seigneur. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On ne manque de rien. Même si tu manques, tu souffles la faim. Même si tu manques de boire, tu manques de manger. Peut-être, il croit que le Seigneur va prendre soin de toi. Mais en fait, tu ne manqueras de rien. Nous les chrétiens, beaucoup de chrétiens pensent que comme ils n'ont pas de millionnaires, de millions sur le compte, de grosses voitures, patati, nanana, ils pensent qu'ils manquent de tout. Mon ami, tu es béni. Alléluia. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Pas dans la terre, on a dit, dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre bénédiction, elle n'est pas visible des yeux humains. Notre bénédiction, elle n'est pas visible. Elle est invisible. Mais si on t'ouvre les yeux, si le Seigneur te montre tout ce que tu as, tu es béni.
tu es riche, alléluia, tu es béni, alléluia. Il dit quoi? Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Le Seigneur veut restaurer notre âme parce que nous sommes voilà, des êtres qui avons été blessés, détruits, attaqués par le péché, vécus dans le péché. Le Seigneur vient pour restaurer ton âme. Tu dois laisser le Seigneur restaurer ton âme. Il veut te restaurer, ma soeur, mon frère, il veut te restaurer. Ce n'est pas l'argent qui restaure, ce n'est pas les hommes qui restaurent, ce n'est pas, en fait, c'est Jésus-Christ qui restaure. Yeshua HaMashiach, c'est le seul restaurateur. Mes frères et sœurs, alléluia, tu veux être restauré, va dans sa présence. Tu veux être béni, va dans sa présence. Tu veux qu'il te parle, va dans sa présence. Il est temps que nous consultons le Seigneur. On a trop méprisé le Seigneur, mes amis, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, alléluia, il est fidèle. Il est temps qu'on lui mette tout entre ses mains. Il est temps qu'on arrête de chercher des routes de secours, etc. Il est temps qu'on fasse confiance à Jésus. Il est temps qu'on consulte le Seigneur dans la prière, dans l'intimité. Voilà ce qu'il attend de nous afin qu'on puisse réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est écrit dans Josué 1. « Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. » Même quand, pour l'amour de son nom. Pour l'amour de son nom, il va nous protéger, frère. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang sur la croix parce qu'il nous aime. Ah oui, pour l'amour de son nom, il va te sauver. Pour l'amour de son nom, il va nous sauver. Même si les gens déclarent des mauvaises choses sur toi, les gens déclarent des paroles sur ta vie, mon ami, qui va dépasser le Seigneur, mes amis? Qui peut rentrer au ciel et dire au Seigneur, non, il va te protéger parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils, parce que tu marches dans ses voies et il va te protéger, il va te garder. Si tu as péché, repends-toi, il va te sauver. Alléluia! Il est temps qu'on ait confiance au Seigneur Yeshua parce qu'il est fidèle, mes amis. Fidèle est son nom. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même s'il y a tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui peut se passer, de la mort, tout ce qui peut se passer, les ténèbres. Mon ami, qu'est-ce qu'il dit? Je ne craindrai aucun mal. Il est temps qu'on ne craigne pas le mal, mais que nous ayons confiance au Seigneur parce qu'il est fidèle. Alléluia. Car tu es avec moi. Parce qu'il est avec toi, il est avec toi. Je crois que le Seigneur veut vraiment encourager les chrétiens, nous les chrétiens, moi le premier, il veut nous encourager pour nous dire qu'il est avec nous, mes amis. Il est avec toi. Si tu te bats pour bien sa parole, tu n'as pas péché, même si tu es accusé de tout ce que tu veux, tant que le Seigneur dit que tu es à lui, tu es à lui. Laisse les gens t'accuser, laisse les gens te mal parler sur toi, laisse les gens dire tout ce qu'ils veulent sur toi. En fait, plus les gens vont parler de toi, plus en fait que t'es important en fait en vérité. Plus t'es dans les mains du Seigneur, plus que tu déranges. Plus les gens vont parler de toi, plus que tu brilles en fait en vérité. Parce que tu brilles, plus on va parler de toi. Il y aura des réunions autour de ton nom. Des réunions, elle a fait ci, il a fait ça. Des réunions, c'est parce que mon ami, tu es avec le Seigneur et que Jésus te tient dans ses mains. Alléluia. On ne parle pas de ce qui n'est pas intéressant. On ne parle pas de ce qui... Non, on parle de ce qui est précieux. Or, l'Église est précieuse. Donc, l'Église du Seigneur sera critiquée. L'Église du Seigneur sera rejetée, sera traitée de tous les noms parce que ben, tu brilles, parce que nous brillons. Nous serons rejetés du monde parce que nous brillons. Alléluia. Ton bâton est ta houlette, ton autorité, son autorité est avec toi, son amour est avec toi, sa douceur est avec toi, sa douceur est avec moi aussi. Alléluia, au nom de Yeshua, Père, merci pour ta grâce. Mes amis, il est fidèle, tu vois. Ton bâton et ta houlette me consolent, il va te consoler. Toi qui as perdu un être cher, toi qui as perdu des membres de ta famille, toi qui as pleuré hier soir, toi qui as vécu des choses terribles, je ne sais pas. Le Seigneur va te consoler, mon frère, ma soeur, il va te consoler. Ton bâton est ton sûr, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le Seigneur va s'occuper lui-même de tes adversaires. C'est lui-même qui va s'occuper de tous ceux qui te combattent, de l'ennemi, des démons, tout ça. C'est lui qui va te protéger, c'est lui qui va nous protéger. Alléluia! C'est pas la peine d'aller voir les marabouts. Arrête d'aller voir les marabouts, les galettes d'affaires, les voyants pour te donner des fétiches, des trucs pour te protéger. Ça ne marche pas, mon ami. Ça, c'est des choses. Ça ne va pas te protéger, ça. C'est le Seigneur qui protège. Alléluia! Tu oins d'une ma tête et ma coupe déborde. Quoi qu'il en soit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Nous habiterons pour toujours dans la maison du Seigneur Yeshua de Nazareth. Donc voilà. Donc pour ceux qui disent qu'il est fidèle, c'est pas grave, je suis dans le péché, il est fidèle. Même si nous sommes fidèles, il demeure fidèle. Mais attention, ce n'est pas comme toi tu le penses,
Il est fidèle avec ceux qui lui obéissent et ceux qui cherchent à lui être fidèle. Alléluia. Donc gardons la foi, persévérons, le Seigneur fidèle, il va nous sauver, nous guérir, nous pardonner, nous remplir de lui. Soyez guéris, ne vivons pas dans le péché, vivons dans la vérité, la sainteté, la vérité. Or la vérité a disparu dans cette génération, tout est tourné autour du mensonge. On doit vivre dans la vérité. La marque du chrétien, c'est la vérité. Et quand tu vivras dans la vérité, tu porteras du fruit. Les chrétiens portent du fruit. Ceux qui marchent dans la vérité, ils portent du fruit. La marque, le signe des vrais enfants du Seigneur, c'est quoi? Ben, ils portent du fruit, tu vois. La parole nous dit clairement, on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est les fruits qui nous disent qui est cet homme, qui est cette personne. Si ces fruits sont dignes de la parole, ben c'est la parole. C'est qu'il est enfant du Seigneur. Si tu vois que les gens portent des fruits de péché, tout ça, il n'est pas encore converti, il est encore avec le diable. Vous comprenez? Mais celui qui porte du fruit. Et les fruits, ben, il faut regarder qu'est-ce que dit la parole par rapport aux fruits. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent des choses sans vérifier par rapport à la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Tu comprends? On reconnaît un arbre par les fruits qu'il porte. On te reconnaîtra par les fruits que tu portes. Les fruits de justice, les fruits de sainteté. Et ça va se voir. En fait, le Seigneur va t'accompagner. Ceux et celles qui vivent dans la vérité sont accompagnés par les œuvres de l'Esprit, par le Mashiach, mes amis, le roi des rois, mes amis, le Elohim de Jean-Baptiste. Elohim, c'est Dieu pour ceux qui suivront ce message. Elohim, c'est le nom de Dieu, le nom du Créateur. Elohim, Adonai, El Shaddai, elle, il est phénoménal. Alléluia. Quand elle va marcher avec toi, mon ami, si elle marche avec toi, qui sera contre toi? Elle est terrible. Elohim, mes amis. Yeshua HaMashiach. Elohim s'est fait chair, il est venu en Yeshua. Et Yeshua est le nom qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Yeshua. En français, Jésus-Christ, ils l'ont appelé. Mes amis, il est terrible. Jésus est magnifique, Jésus est glorieux. On doit prêcher Jésus aux nations. Le monde doit entendre Jésus. Vous devez voir les œuvres de Jésus et ne pas seulement entendre des paroles. Où sont les œuvres? Voyez, un chrétien aussi, il marche avec les œuvres. Il n'y a pas les œuvres sans. En fait, la parole est accompagnée des œuvres. Tu vois, les œuvres est accompagnée aussi de la parole. Tu comprends? En fait, c'est lié. Alléluia. Mes amis, un chrétien, on le reconnaît par les fruits. Les fruits qu'il porte, la vie qu'il mène, les œuvres qui l'accompagnent, les œuvres qui se manifestent, c'est tout ça, mes amis. Et c'est ça, un chrétien, il porte du fruit. Et mon ami, c'est terrible. Il porte du fruit parce qu'il demeure avec celui qui est fidèle. Et comme il demeure ou elle demeure avec celui qui est fidèle, eh bien, il te sera fidèle, mes amis. Bon Dieu fidèle. Allez, à bientôt. Merci.